Yo tout le monde, vous êtes sur la Slash Team France et aujourd'hui je vais vous montrer ma collection de crampons. Je vais vous montrer les paires dans un ordre chronologique. La première paire, ce sont des Hyper Venom orange, je ne sais plus exactement lesquels ce sont, mais de très bonnes chaussures. Pas hyper confortable mais nickel pour leur prix. Bon après la robustesse, hein, ça se voit, c'est sur du synthétique du coup. Ça a un peu poncé de partout, attendez je vous montre. Ah ça se voit pas très bien à caméra, mais il y a des petits traits là, beaucoup de petits traits. Bon, ce côté il était très peu utilisé, donc voilà. On passe à la prochaine chaussure. La seconde chaussure, ce sont des Mercurial, toujours chez Nike. Hein. Celle-là, après c'était plus ma peinture du coup, j'ai dû changer, mais elles étaient vraiment super. Elles sont légères, confortables, tout ce qu'il y a de bien dans une chaussure de foot. Donc le seul petit bémol c'était la robustesse des crampons. Ils sont foncés quasiment à moitié chaque. Et pourtant je les ai utilisés que 2-3 mois. Donc voilà. Après très très solides les chaussures. Aucune trace de synthétique contrairement aux autres. Donc voilà, super chaussure. On passe à la prochaine paire. On attaque les paires que j'utilise encore maintenant. Donc c'est des paires de stabilisés. Donc ce sont des Hyper Venom, il me semble. Si c'est marqué. Bon, ce sont des Hyper Venom. Voilà, Hyper Venom. Attendez. Ça se voit pas à la caméra, c'est génial. Bon, ça se voit un peu quand même. Les Hyper Venom, très robustes. Bon, ce sont des stabilisés, c'est normal. Hein. L'avant, tout est renforcé. Donc on passe à la prochaine chaussure. Donc voilà, encore une paire. Mais pour une fois, ce ne sont pas des Nike. Ce sont des Adidas, des Kaiser 5. Donc bon, vous connaissez, c'est très très solide, ça tient longtemps. Il y a juste un peu l'avant qui est un tout petit peu foncé parce que j'ai joué sur la terre. Mais sinon c'est vraiment super cette paire de chaussures, très 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 confortable. Donc on passe à la prochaine chaussure. Donc pour la prochaine chaussure, on retourne chez Nike avec des CR5. Elles sont plutôt anciennes, je les ai très peu utilisées. Mais je compte les mettre pendant les vidéos en coup franc parce qu'elles procurent une très très bonne sensation sur le coup franc. C'est vraiment super. Donc je peux pas vous dire grand chose sur la robustesse parce que je les ai pas beaucoup utilisées. Donc voilà, je vous montrerai ça, on fera un test. Donc on passe à la dernière paire. Ah bah non, on passe pas à la dernière paire parce que la dernière paire ce sont les Mercurial Superfly que j'ai testé. Bah, la dernière fois sur la dernière vidéo, nickel, les chaussures, je les ai un tout petit peu plus utilisées que la dernière fois. Donc la robustesse c'est très très bien, je comparais ça au Mercurial celle-ci. Donc c'est vraiment super, bon c'est la qualité Mercurial. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, tu peux liker, partager, même t'abonner. La prochaine vidéo de moi, ça sera sur des coups francs, donc à la prochaine. Au revoir.